Salut à tous, aujourd'hui c'est le dernier jour de notre fishing trip en Hollande. Cette fois-ci on a vraiment envie de prendre un gros brochet, donc on va tout faire pour. Allez, on perd pas du tout de temps, on va tout de suite au bord de l'eau. Et voilà, regardez si c'est pas beau ça. Du coup là il fait soleil, l'eau est un peu glacée. Donc on a un peu la configuration des deux jours qui ont plutôt fonctionné, c'est-à-dire de la glace et du soleil. On espère faire un gros brochet, en tout cas on va tout faire pour. C'est notre dernière journée en Hollande, donc là on veut en profiter un max et on va tout donner. Et on va se faire plaisir. Donc sur le premier spot, on s'est arrêté vraiment très rapidement parce qu'il y avait un joli moulin. Mais bon, il y avait un vent glacial et puis il fallait pêcher en pleine eau, donc on n'est pas resté très longtemps. Du coup, on va rester sur des bonnes bases, on va pêcher les polders avec les ponts. On va continuer un peu par exemple le spot d'hier. Je vous invite à regarder la vidéo d'avant, là, celle qui est juste avant celle-ci, parce que c'était vraiment la folie des brochets, donc je vous invite à y aller. Et puis là, voilà, on va continuer peut-être ce spot-là sur des valeurs sûres, parce que le but d'aujourd'hui, c'est de faire un joli poisson et surtout de se faire plaisir. Hello. Hello. It's empty. Yes. For the moment. For the moment. You are planning to catch this large fish. Yeah. Okay. You're from France. Yes. Yeah. From France. Ah. There's no water in France. Sorry. There's no water in France. Yes. Mm. There is water, but here it's great. We have a good scenery. Yeah. It's great. It's great to fish here. I wish you good luck. Yeah. Thanks. Good. Thank you very much. A lot of fish. Yeah. Have a good walking day. Yeah, thank Bye. You. Bye. There it's loose. There it's empty. Petite information aussi, pour dire brochet en hollandais, on dit snook. Donc voilà, je vous apprends un petit peu de hollandais. Alors Louis, ça va snooker? Yes, they did snook today. Poisson! Poisson! Oh, il est beau! Il est beau! Oh non, décroché! Oh putain! Merde! Eh, mais c'est dingue quoi. Non mais genre je fais 5 lancers sous le pont, rien, je colle à la bordure et je fais la touche. Ah ouais, c'est ça, assez intéressant. Truc de fou quoi. Ici ça sent le monstre. Il est là notre gros. Oh poisson, poisson. Un petit cette fois-ci. C'est bien aussi, super. Incroyable, Louis il a réussi enfin à faire un petit brochet. Un païkouné quoi. Ouais, bon. Ça fait plaisir. Un bibi paï. Moi j'adore les petits. Bébés. Un bébé. Bientôt il fera 90 cm. Bientôt. Bientôt ce sera un mammouth. Ouais. Super cool. Poisson. Waouh. Oh, putain, il est énorme. 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 Hein. Peut-être le plus gros de du séjour. Ça commence bien aujourd'hui. Il est magnifique, Florian, pour un premier brochet de cette dernière journée. C'est incroyable. Ça fait plaisir, hein? Ouais. C'est énorme. Il a une espèce de malformation au niveau de la gueule. Il a pas de dents hein, d'un côté. Je sais pas trop ce qu'il a. En tout cas, pris juste sous la glace, c'est truc de fou, quoi. Je me remets de mes émotions là. Punaise, quelle attaque encore. Incroyable. Bon, c'est pas encore le monstre qu'on recherche, mais c'est vraiment un super départ. Hein. Allez, on continue.
Oh poisson. 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 Il est gros. Ouah. Il est énorme. Il est énorme, Flo. Ouah, j'ai failli tomber. Waouh. Waouh, il a ses traces sur les côtés. J'en reviens pas, franchement. Let it snook. Sur la route du retour et... Non mais la guerre qu'il doit y avoir, regarde ça. Oh là là, mais c'est... Ouais. C'est blessure. Il a des balafres, vraiment, c'est... Blessure de guerre, quoi. Impressionnant, quoi. Putain, les balafres. Impressionnant. C'est impressionnant, ouais. Vraiment. C'est le royaume débroché, mais c'est pas pour rien, quoi. Ils se font la guerre entre eux, quoi. Truc de fou. Allez, on va le remettre à l'eau, ce beau pépère. T'as bien mérité ta liberté. Ah yes. Non, je suis accroché. Ça se trouve c'est des vieux poissons. Ouais, ça se trouve aussi, ouais, ils grossissent pas trop. Oh. Oh, oh. Poisson. Au portable. Je lâche la canne. Putain, mon dieu. Bon bah la canne de Louis. Mon portable marche. Elle a pris l'eau. Putain, elle est bloquée dans la glace. Ah, j'avoue, c'était épique là. Ah, je me suis pété le genou. Ah, je suis trempé, j'avais oublié que j'étais sur un muret et qu'il y avait de l'eau derrière, qu'il n'y avait pas de terre. Ouais, tu fais tellement de poissons qu'il fallait bien un truc, hein. Je suis trempé, quoi. Louis, il enchaîne sévère, carton plein pour lui. Bon, il est tombé dans l'eau, mais... C'est qu'un détail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des beaux poissons? Regardez, la voiture, elle est juste là-bas, quoi. On a prévu de rentrer à la voiture, mais on n'y arrive pas, il y a trop de brochets. Bon, les couleurs, là... Waouh. Sous le pont. Même tellement sous le pont que j'en suis tombé à l'eau, quoi. Et regarde les traces encore. Ils ont des cicatrices de psychopathe. Grave, bon, allez, on va le remettre à l'eau. Ouais. Louis, il aime bien les cascades. C'est un homme d'action. Hein. Juste sous la glace. Yes. Il marche. Mon portable. La canne de Louis. Mon portable marche. Bon, allez, cette fois-ci, on va y aller. Hein. Ouais. Oh, mais non. Putain, mon téléphone, quoi. Putain, c'est quand j'ai couru tout à l'heure, en fait, je pense. Putain, j'avais pas fermé ma poche, il a dû tomber quand j'ai couru. Mais non. Non, mais les brochets, là, ils nous rendent crazy. Ah ouais. Il marche et personne me l'a volé, c'est cool. Bon, bah, on s'en sort bien encore, hein, aujourd'hui. Grave. J'espère juste que le mien est toujours vivant, parce qu'après un passage dans la flotte, ça risque de pas être glorieux. Les brochets, on vole à nos portables, en fait. Ça. Et moi, faut que j'aille me décrocher, là-bas. Je suis sous le pont, moi. Pendant que Louis fait des brochets, il nage avec eux. Moi, je suis bloqué sous le pont, donc je vais me décrocher. Bon, sur la route d'un autre spot, on va quand même repêcher la zone où hier on en a fait deux gros. Il y avait énormément d'alevins et franchement, vu comme aujourd'hui c'est parti, je suis sûr qu'il y en a encore un gros qui traîne ici, quoi. Un gros malabar. Patinage artistique. Oh, il est tombé pour la vidéo. Ah, ah, poisson. 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 Waouh. Ouais, yes. Yes. Wouh. Pas content. Yes, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, là, je suis très content. Ça a commencé à tarder. Yes. Bon, on le remet à l'eau. Allez, c'est parti. Allez, il l'a bien mérité.
Waouh. Petite pause manger, je pense qu'on l'a bien mérité, on a passé une super matinée. Cet après-midi, on va vraiment essayer de traquer le monstre des polders, essayer de faire un gros brochet bien dodu, c'est vraiment notre quête du jour. Oh putain, loupé. Waouh. Waouh, j'ai le cœur qui bat là. De la folie. Il s'est retourné devant moi, mais vraiment dans le soleil là. Waouh, avec sa robe dorée, c'était splendide. Il était caché sous ses racines. Poisson. Oh. Waouh. Ah, deux fois. Deux fois. Oh là 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 là. Deux fois quoi. Oh. C'était magnifique. Il est caché sous ses racines et ça fait deux fois qu'il essaie de taper mon leurre. Poisson, je l'ai. Ah putain, je suis dans le... Oh, il a tapé trois fois. Ça fait trois fois. Ah ouais, qu'il tape. Oh, qu'il se retourne. C'est magnifique. Ah ouais, ce qui se passe. Wow, on vient de finir de manger et là on vient de commencer notre pêche de l'après-midi et Louis il a trois attaques, c'était magnifique et bam quoi, ça perd pas de temps, hein. Incroyable. Il est pas très gros, c'est pas le gros poisson dont on rêve aujourd'hui. Bah alors qu'est-ce qui fait plaisir? Mais il fait super plaisir et puis surtout c'est encourageant quoi pour la quête du monstre. Aïe. Oh. Je me suis basé en fait sur nos réussites avec des leurres pailletés et je me suis dit que ben voilà, j'allais mettre un fort play pailleté et puis il m'a suffi quelques lancers pour déclencher la touche, donc ça fait super plaisir, c'est cool quoi. Ça a l'air d'être une couleur qui marche bien ici et j'espère que le monstre qui doit se cacher dans ses polders aime aussi les paillettes. Waouh, poisson. Yes. Waouh. Yes. Il est beau, il est beau. Putain, il y a de la glace. Waouh, 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 les rushs. Les rushs qui me fait. Il est contre la poutre. Yeah. Oh. Yes. Bon, on enchaîne les brochets, mais nous, ce qu'on veut, c'est un bon gros brochet des familles, des polders, bien grassouillé, nourri au gouda. Du coup, moi, j'ai mis un bon gros chat de 6 pouces. Je me suis passé sur un one-up 7 pouces. Ouh, 7 pouces, hein. Ouais, je me suis dit, on va tout tenter, c'est la dernière journée. Et moi, c'est pareil, dans le même calibre et en tout blanc. Hello, hello. We are talking to the camera. We are not crazy. On est un peu crazy quand même. Un petit peu. On est crazy du monstre des polders. Allez, à l'assaut. Toujours plus. Je me prends des tapes. Je vais mettre un plus petit leurre et voir un petit peu si ça peut débloquer la situation. Ça va être intéressant d'ailleurs. Je vais mettre le même type de leurre, mais en taille inférieure. Allez. On y croit. Waouh. Ah, c'est des touches, hein. Putain, c'est... Je suis sous pression, là. Je vais essayer de le prendre à revers. Peut-être qu'en lançant de ce côté... Poisson. Putain, vite, vite. Vite les gars. Vite, vite, vite les gars.
C'est le maître. Je le sentais depuis tout à l'heure. Florian s'est pris plein de tapes et il vient peut-être de nous faire le monstre du pôle d'Earth. Oh putain, c'est un truc de fou. Ah, ouf. Oh. Ouf. Yes. Il est énorme. Il est énorme. Allez Flo. Je monte avec toi. Trop content. On l'a fait les gars. On l'a fait les gars. Putain. Le voilà notre monstre de pôle d'Earth. Yes. Waouh. Waouh. Oh là les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Yes. Oh putain. Bien joué. Énorme. Oh putain. Ah. La traque du monstre des polders, c'est quelque chose, hein, hein Florian? C'est trop bon. C'est notre dernier jour, mais qu'est-ce qu'on en aura profité, quoi. Ouais. Et il y a fini, ce poisson-là, hein. Ça se trouve, il va y en avoir peut-être un autre, je sais pas, mais... En tout cas, moi, pour moi, le voyage est totalement accompli, là. Je suis ouais. Trop content. On pouvait pas rêver mieux, c'est juste incroyable. Waouh, ça fait vraiment plaisir. Un beau brochet bien gras qui a mangé du gouda au petit déjeuner. Il est gros qu'il en peut plus. Ce run encore qu'on a tapé. On était en train de refaire nos têtes de ligne et là j'entends poisson. J'ai pas compris, ouais. Genre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était ouf, c'est trop beau aussi. Ah mais ouais, mais le coin quoi. Mais je comprends pas, je suis sûr qu'il y en a un autre. Je prends un brochet sous une voiture. Non mais franchement les gars, je suis sûr qu'il y en a un autre parce que je lançais là-bas, j'avais des tapes aussi. Hein. Énorme. Énorme. Quoi? Non, ramène-le, ramène-le. Pousse. Je peux pas. Je peux pas. Décrocher. Je peux pas, j'étais accroché dans l'épuisette. Grosse frustration, Louis, on était en train de discuter avec Flo de où il l'a pris et tout. Il touche au même endroit. Attention, regardez, c'est la même voiture. On va pas mentir. Peut-être putain, encore plus haut. Décroché dans l'épuisette. En fait, il était dans les branches et il rentrait pas dans l'épuisette. Tellement qu'il était gros d'ailleurs. Je pouvais pas le tirer plus. En fait, je crois que mon trip s'est pris dans l'épuisette. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il était énorme. T'as vu cette gueule de crocodile? Mais vous l'avez vu se décrocher? Ouais, ouais. Moi, je l'ai vu, je l'ai bien vu. Moi. Je pense qu'il faisait. C'était le même calibre. Ah, il faisait au moins pareil, ouais. Ouais, et. Doré, peut-être tout. Plus. Eh, moi je le voyais plus massif. Peut-être plus, ouais. Pff, c'est de la non, folie. Non, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Je filme Louis ou Flo? Qui c'est qui va prendre le poisson? Poisson! Poisson! Yes! C'est incroyable! Oh, oh, on est en troisième différent. Oh. Je te l'avais dit. Sous le même pont, sous les le gars! Même pont, sous les mêmes ponts! Mais Louis, t'en as fait combien aujourd'hui? T'arrêtes un peu! J'arrête de compter! Alors regardez cette balafre, les gars, j'ai jamais vu ça! Oh, c'est la guerre! Regardez comme ils sont blessés! Waouh! Tu vois, ils doivent vraiment se bouffer, ça va être la concurrence, quoi! Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Allez. Oh, mais toujours sous le même pont! Mais on n'en revient pas, on est désolé, on fait que de le dire, mais. Allez, mon grand! Là pour le coup tu parlais des mains, là j'ai les mains bien déchiquetées. Tu vois? Bon pas grand chose mais ça pisse un peu quoi. Ouais. Poisson de bruit. C'est beau non? Mais ça fait quoi là? Ça fait un travers? J'ai Il est énorme. Il est énorme. Ah putain. Il est très gros. Il me fait un combat de fou lui. Tu me tiendras la main? Ouais, pour attends. Que je puisse me... Attends. Il est énorme. Waouh, il est énorme. Il est énorme. Mais c'est... Quoi? Mais t'as vu la taille de ce poisson, Florian? Non, mais il est énorme. Mais je fais un lancer, je dis à Flo, c'est joli là. Regardez-moi ça.
Mais j'en reviens pas là. Mais là j'en reviens pas. Mais là j'en reviens pas. Waouh. Waouh, vas-y, montre-nous ça Louis, montre-nous ça. Oh cette vache. Magnifique. C'est mon record. C'est mon record en fait. Je viens de réaliser que c'était mon record. C'est un rêve. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est pas son folie. Le monstre. C'est pas son folie. Ah, il m'a coupé, il m'a lacéré. Il est reparti ? Oh, il est encore. Ah ! Oh, regarde. Yes. Waouh ! Oh, putain. Là. Il est taré, ce taré. Mais là, je... non, mais. C'est un veau, quoi. C'est un bœuf. Ah, il m'a déchiré les mains, mais. Mais c'est pas grave, quoi. Ah, il m'a bouffé les mains, quoi. Bravo. Ah, mais c'est pas grave. Un gros bœuf, c'est le plus gros brochet que j'ai jamais fait de ma vie, c'est mon record quoi. Premier lancé là dans ce coin. Improbable. Je venais de changer de l'heure. Avec toi, je viens de changer de l'heure avec Flo. Yes. Le voyage en Hollande, c'est. Trop content. Et je crois que là, les monstres sont là. Je crois qu'on les a, les monstres. On les a trouvés. On les a eu. Bon, en tout cas, ce voyage en Hollande, c'était vraiment la folie, les gars. C'était, ouais, c'était le pur vraiment trip de... Enfin, c'était incroyable. Incroyable. Ouais, vraiment. On a eu beaucoup de chance au niveau du temps, parce qu'on a eu... On est quand même en plein hiver et on a eu une température très clémente. On a eu des beaux jours comme ça, sans nuages, avec un soleil de fou. Ça gelait le matin. Les premiers jours, ça nous a un peu déconcerté de voir toutes ces étendues d'eau gelées, mais finalement... Ça nous a réussi. Ça nous a grave réussi, quoi. Et bah ouais, franchement on vous invite à vous parcourir tout ce séjour parce qu'il était incroyable, plein d'émotions, plein de sensations, plein de rebondissements. Et nous franchement on s'est régalé, c'est juste incroyable. On vous remercie et puis nous on continue à se régaler et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao.